السلام عليكم. اليوم effectivement اجتمعنا المجلس الإداري اجتمع aujourd'hui اليوم 8 août. Donc nous avons traité plusieurs points. Il y avait un ordre du jour très conséquent. Il y avait pratiquement 6 points à l'ordre du jour. On a commencé donc par d'abord la préparation de la prochaine assemblée générale puisque nous sommes en fin de saison sportive et que nous devons préparer quelque part un bilan à présenter à la prochaine Assemblée générale. Donc on a vu tous les aspects financiers, les aspects techniques, les aspects relatifs aux investissements. On a fait un point de situation sur également les investissements. On a parcouru dans le cadre des activités du club les aspects financiers. On a vu tout ce que nous avons entrepris depuis le début de saison, enfin les obligations de l'entreprise sur le plan financier. On a vu déjà le passif de l'USMA, toutes les dettes, toutes ces obligations vis-à-vis de certains joueurs qui ont quitté le club et toutes les incidences financières. On a vu les dépenses également que nous avons effectuées durant l'exercice AZ 2021. Donc on prépare quelque part l'Assemblée générale. Sur le plan de l'investissement, on a vu tout ce que nous avons dû, toutes les dépenses auxquelles nous avons dû faire face pour préparer l'assiette qui doit accueillir le centre de formation. Il faut dire que ce n'était pas facile. Il y avait beaucoup de servitudes qu'on a dû prendre en charge et qui nous ont coûté non seulement beaucoup d'argent, mais beaucoup de temps également pour les solutionner. On a examiné également la situation concernant le centre de formation sur le plan administratif. On a dû recourir à la justice, etc., pour récupérer le terrain. Nous sommes en phase de recevoir le permis de construire. Et là, on va installer définitivement donc l'entreprise avec l'assiette qui est toute prête et pour amorcer la construction du centre de formation. On a vu Chefnaya également le cercle, le point de situation où il en est. Dans quelques jours, nous allons réceptionner le siège et puis on va le mettre à la disposition de tout l'environnement de l'USMA. Donc, en plus de ces aspects, on a vu également un peu comment s'est déroulée la saison Ahadi actuelle. Je ne vous cache pas que le bilan n'est pas du tout reluisant. À l'égard des investissements, à l'égard des moyens que nous avons mis en place, les objectifs ne sont pas atteints. Nous n'avons ni la Super Coupe, ni le championnat, ni la Coupe, etc. Donc on a vu un peu pourquoi et quelles sont les mesures que nous devons préparer pour la saison prochaine. On a examiné également une situation particulière du club relatif à la discipline et nous avons dû prendre les mesures qui ont été entérinées par le conseil d'administration. Et là, on se prépare pour la saison prochaine pour la mettre au point dans les meilleures conditions et puis assurer un peu les objectifs. À l'unanimité, le conseil d'administration a adopté les mesures qui ont été prises autant sur le plan sportif que sur le plan également de la discipline. Alhamdoulilah, le conseil, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. On a été tous unanimes aux décisions. C'est parfait, tout s'est bien passé, on est d'accord à tous. Voilà. Alhamdoulilah, Inch'Allah, l'avenir, Inch'Allah, la saison prochaine, elle va être meilleure encore. C'est une année de transition pour nous. Ou bien, Inch'Allah, la saison prochaine va être meilleure. Et je suis certain. On n'a pas été aussi mauvais que ça. Faut dire ce qu'il en est. On a mal pris, peut-être le départ a été mal pris. Mais sinon, à la fin, on est quand même. On a maintenant un groupe, on a une équipe. Il faut y remédier à certaines maladresses qui ont été faites à cette... Voilà, moi je pense que l'avenir sera beaucoup meilleur. Excellente séance, avec des gens très compétents autour de la table, qui maîtrisaient leur sujet
Et c'est un bilan presque d'une année d'exercice avec Serport. Un excellent apport au club. Serport a fait des choses merveilleuses pour notre club et les résultats sont là, même si on est, c'est un peu en deçà de nos possibilités, mais c'est la première année. Et ce n'est pas si mauvais que ça. Et on a eu quelques accros, on a mal démarré, on paye le mauvais démarrage, mais le reste, tout est excellent. La Heberg, et le club est structuré, organisé, les groupes sont là, même le CSA est repris en main, donc on a... C'est la famille de l'USMA qui travaille pour l'USMA.